Salut tout le monde, c'est Nasband qui vous parle. Comme ça, moi je vais super bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de Commando 2, où cette fois je vais faire quelque chose. Et moi j'espère. Ouais, un petit peu, on va essayer de te laisser faire quelque chose. Oula. Je vais monter avec toi. Non, je crois pas, non. Pourquoi? Si je dois me faire tuer, je préfère me faire tuer tout seul. Je m'avance. Chut. Elle a pas un fusil, elle? Elle a un fusil. Je t'en ai donné deux. Ouais. T'as un snipe, okay. Et bien normal. Ouf. Par là, c'est pas bon. En scène. Attends, elle est où, ma nana? Dans la maison. Oui, mais elle regarde par quelle fenêtre, c'est ça que j'aimerais savoir. Ça, après. J'arrive pas à la trouver. J'attends la suite. Elle regarde par quelle fenêtre, cette connasse. Impossible de la trouver. Okay. Bon, elle est en haut, vers l'arbre. Je vais sortir. Hein. Ouais, je suis repérable, là, je suppose. Je sais pas si toi tu es repérable ou si tu peux causer avec les gardes. Je sais pas, justement. Ok. Bah écoute, le meilleur moyen, c'est d'essayer, hein, en sauvegardant d'abord, bien sûr. Oui. Y a plein de cadavres ici. Ah bah oui, c'est là où t'avais fait ton... Où j'ai fait mon petit massacre, ouais. Ouais. Bon, j'ai récupéré des clopes, au moins. Ouais. Bien. Elle est où, ma nana? Foiré. Alors oui, je peux parler avec des mecs, hein. C'est déjà ça. Si tu veux que je parle avec quelqu'un... Bon, tu peux t'amuser à les tuer aussi, si tu veux. Je te permets. Ouais, avec quoi? Moi, j'ai qu'un fusil, hein. Bah, justement. Oui, mais il faut que je trouve un camp où j'ai pas de risque. Voilà, après, tu essaies de trouver une technique avec celle-là. Qu'est-ce que je regrette, le général? Eh bah, il est pas là, hein. Est-ce que t'es déjà rentré dans cette maison-là? À moi. Oui, je viens d'en sortir. D'accord, bon, bah je sais d'où je peux tirer. Attends. Ouais, quand tu te couches, tu perds ton camouflage. Attention. Mon camouflage ne sert pas, en fait. Tu veux tirer sur qui, là? Personne, je vais essayer d'en attirer un. D'accord. D'ailleurs, attends... Bien sûr. Foiré. Voilà, j'ai eu mon soldat. Déplacement en cours. Eh bien, continue comme ça. Y'a plus personne dans la maison, là? Ouais, y'en a encore un qui se cache, hein. Je peux pas tous les tuer non plus. Mais... Elle est forte, la nana, hein, la petite, là. Oh putain. À moi. Bon, attends, je vais quand même essayer d'aller parler à un mec, voir si ça marche ou pas. Putain! Quoi? Sauf que quand je suis en train de me faire tirer dessus! Toi, t'es bon, toi! Tu me demandes, s'il te plaît! Au pire, je viendrai te sauver. Non, mais j'étais un petit peu dans la merde, là. Un tout petit peu, hein. Il est bien, lui. Ah, bah oui, je peux leur parler. Bien, donc tu peux les tuer aussi. Ouais. Déplacement en cours. C'est fait. Ah, dommage que je puisse pas les assommer à main nue, quoi. Tu veux pas leur foutre des baffes? Hein? Tu veux pas leur foutre un coup de poing? Voilà. Bah, je lui ai tiré dessus depuis l'intérieur, ils entendent rien à l'extérieur. À moi. Et moi, je peux m'occuper des extérieurs plutôt les intérieurs si tu préfères. Ouais, à la limite. À moi. À la limite. Parce que moi, bon, je peux passer où je veux avec la nana, hein. Y'a personne qui me fait chier. Oh, bon, si y'a quelqu'un qui me fait chier, je le tue en général, mais. Si je sors par là, y'a quoi. Y'a rien de dangereux. Alors là, les maisons sont vides. Hop là, qu'est-ce qui se passe? Allez! Qu'est-ce qui s'est passé? Moi j'ai planté. Ah hein? C'est bon, j'ai repris. Ah. Et y'a mon gaillard qui a fait du stop. Très bien. Très bien. Très bien, dit-elle. Tu sais d'où t'es sorti de ta maison là? Ouais. Y'a quand toutes les autres à côté à vider, hein, si tu veux. Ouais, mais là je suis là où y'a nos soldats. Oui. Ah bah je sais pas où tu es, toi. Je vais aller les libérer. T'es dans l'entrepôt? Ouais.
Mais je sais pas trop comment. Je peux sauvegarder là? Deux secondes. Ouais, c'est bon, vas-y. Non, vas-y pas. Ben voilà. Ouais, bah y'a des cons qui se ramènent. Julien, on t'appelle. Quoi? Je peux avoir la flèche, je vous fais une vidéo. Bon. Ah là, désolé pour ce petit inconvénient, hein. Bon, tout le monde est mort, hein. Dans le bâtiment? Ouais. Attention les yeux. Il me faut juste un autre fusil, là, parce que moi, avec 6 balles, je vais pas aller loin. Rien. Elle s'est pas pris un seul coup. Rien. Bon, est-ce que quelqu'un a un fusil dans cette merde? Oui, toi. C'est fait. Voilà. Ah, des caisses. Ouh, de la vie. Je prends. Un bonus. Du pinard. Les jumelles, je laisse. Je crois pas que ce soit important. Il y a des pilules, là. Seb. Ouais, bah les pilules, ça nous a pas grand chose. À moins que tu veux les endormir. Ouais, ça pourrait être utile. Allez, pour cette fois, du pinard. Hein. Bah oui, j'ai du pinard. Il faut qu'il accepte de le boire aussi, ça c'est autre chose. Ouais, bah on verra bien. T'as libéré donc là, là j'étais non, dans non, attends, je suis en train de chercher les. Les caisses là. Pas de problème. Je suis en train de chercher les caisses et de fouiller les cadavres, s'il te plaît, parce que moi, le fusil à 6 balles que tu m'as filé, il va pas très loin. Hein. À moi. Écoute, je t'ai donné ce que j'avais, hein. J'aurais rien pu te donner aussi, hein. C'est fait. C'était mon fusil que je t'ai donné, alors fuite maintenant. Alors ça c'est vide aussi. Alors, oh, t'es gentil. Mais c'est quoi ce ici après? Très bien. Ah, t'es j'ai du boulot ici, hein? Putain. Chers amis, je veux bien faire sauter les citernes de carburant, mais pas sans explosifs. Ouais, j'en ai. Le moyen le plus sûr est de détruire les deux dépôts en même temps. Attendez, y'a qu'à prendre le bus. Un camion attend d'entrer dans la base. Y'a qu'à prendre le bus, oui, c'est vrai. Escalader facilement la grue du port pour accéder au pont du porte-avions. Ensuite, j'aurai plus qu'à déployer une échelle de corde pour faire monter ces messieurs-dames. Tu sais, il faut faire bouger ses lèvres, hein, pour parler en général. Chouette. Bon, j'ai qui, moi? Ah, j'ai le mec à l'explosif. Bah, qu'est-ce que t'as comme équipement, toi? Rien du tout. Bon, s'il y a quelque chose d'intéressant qu'il peut faire, le mec à l'explosif? Faire péter des trucs? Ouais, c'était peut-être pas une bonne idée, hein. C'était pas la bonne porte. Ok. Ciao. Y'a quelqu'un qui peut arriver de ce côté, si je tire? Jules? Quoi? T'es pas en uniforme? Oh, merde. Oh, merde. Putain! Je suis revenu sur Windows. Mauvais bouton. C'est déjà con ça. Putain, bon. T'as sauvegardé, j'espère? Attends. Avant de sortir sans uniforme. Moi, je suis où? Je suis dehors, bien sûr. Ah, t'es pas mort? Non. Je croyais que t'étais mort, toi. Bon, t'as un qui a semé, je vais vite l'achever. Ah, mais. Derrière toi? Ouais, derrière moi où? Ah, oh, faites chier les gars, mais bordel! Mais t'as fou, pourquoi t'es sorti sans uniforme déjà? Hein, j'ai oublié, ok? Ah, c'est quoi ce travail? T'as vu, on est tous morts maintenant! Rien! J'ai deux gars qui sont à terre, fais gaffe, t'es toujours pas en uniforme, c'est jamais. Je sais. Voilà. T'as le petit remettre, parce que là, c'est con ce qui est arrivé! Tiens, relève-toi! Ouais, et on se fout, t'es moi la pelle, hein, Dieu! Là, là, il s'est rien passé, vous n'avez rien vu. Mais toi, tu t'es tiré par où, espèce d'enfoiré? T'as voulu me tuer? Okay. Tu vas voir ce que c'est de vouloir me tuer, toi. Ah, mais c'est ton mec, ça, je voulais le fouiller. Il est... Tu l'as réveillé? Non, pas encore. Alors, attends deux secondes, laisse le coucher pour l'instant. Dis-moi voilà. Quand je peux le réveiller. Ah, mais il peut sortir d'elle. Dis-moi quand je peux le réveiller. Fais gaffe, il y a quelqu'un qui arrive. J'attends la suite. Ouais, vas-y. C'était ma dernière trousse de soins. Hein. Oui. À moi.
Il est mort, le monsieur qui t'emmerdait. Hey, je vois ton espèce de petit rat courir partout, là. Alors, mon petit rat, il t'emmerde, déjà, hein. Mais merde, j'en ai marre d'appuyer sur... Quelle idée d'avoir foutu la touche Windows et la touche Alt l'une à côté de l'autre. Ouais, c'est vrai que c'est très con, ça. Ah, bordel. Je m'avance. Ouais, tu t'avances, c'est bien. Moi, je vais aller dans ce bâtiment. Bon, c'est la touche Alt que je prends, là, oui. Bah, d'ailleurs, je suis où, là? Ah, mais je reconnais l'endroit. En fait, je vais faire un... Il y a encore tous les bâtiments là que j'ai pas vidé, j'y vais. Lesquels? Bah, tout ça où tu t'es enfermé dedans? T'étais dedans toi? La petite lignée là, je sais pas encore fait. Tu veux que je t'aide? Oh, ça peut aller. Bon, je trouve une porte d'entrée. Bon, tu peux juste sauvegarder un coup une fois? Ouais. Tu pourrais le faire aussi, hein? Ouais, je vais le faire aussi, parce que c'est moi qui dois la sauver. Hein. Voilà, c'est moi qui crée la partie, mais c'est toi qui as les sauvegardes. Ouh, y'a un mec mort là-bas, est-ce que t'as pensé à le fouiller? S'il a un fusil, et puis moi des munitions de fusil, ben j'en manque. Bien sûr que t'as... Ah non, t'as pas pensé à le fouiller? Il est mort de quoi, lui, alors? Crise cardiaque fulgurante. J'avais plus assez de place pour les munitions, je pense. Là, j'en ai toujours pas assez. Est-ce que je peux la battre au sniper, celui-là? En fait, je peux pas l'utiliser, le sniper, hein. Si, tu peux. Non. Bah, c'est la seule qui peut, hein. Non, je peux pas. Le sniper est grisé. Je peux pas du tout l'utiliser. Bizarre ce que tu me dis. Alors, jette-le. Mais bon, j'ai pas de sniper ici. Puis ça faisait partie de ton équipement. Très bien. Voilà, il y en a un qui est mort en haut, hein. Non, non. Quoi, non, non? Si. Non, non. Si. Comment on fait pour passer de l'autre côté de la barricade? Quelle barricade? Ah, c'est par là. Fumier couché, ouais. T'as jamais dit que ça crée des incendies, abruti? De quoi? Y'a un gars qui était couché pendant qu'il fumait. Oh, c'est pas bien ça. Non, du coup, il en est mort. J'espère que tu l'as corrigé, hein. Ah, il a été corrigé, là, oui. Il s'en souviendra qu'il faut pas fumer pendant que t'es couché. Bon, si je me place là-bas au fond... Vu que t'as tué tout le monde, personne devrait me faire chier. J'ai tué tout le monde, j'ai tué tout le monde. Tu peux sauvegarder ? Ouais, vas-y. Parce que là, je vais de nouveau prendre des risques inutiles. Quoi que j'ai même pas besoin, en fait. Il regarde où, lui ? Déplacement en cours. Comment je fais pour empoisonner les bouteilles de pinard ? Tu te rappelles pas que tu l'avais fait une fois dans une émission ? Oui, mais je me souviens plus, là. Bah, tu prends les médocs, tu les fous sur la bouteille, puis si la bouteille vient verte, c'est que c'est bon. Ah, d'accord. Médoc, bouteille, voilà, du pinard vert, ils se posent pas la question, eux. Oh, pas besoin, écoute, pour si peu. Il est où, mon pinard? Quoi, Okidi Okida? Qu'est-ce que t'as fait, quoi? Ah, il a vu un cadavre. Ça peut arriver. Au lieu de boire la bouteille. Ah, bordel. Bon, redonne-moi la bouteille de pinard verte. C'est fait. Bon, là, je vais faire un truc débile. Comme c'est ce qui arrive souvent, quand on fait des trucs débiles. Mais ça marche bien, en général. Mais tu veux pas la bouteille de pinard droit devant toi, là? Je te dis, il préfère les clopes. Oh, merde, il pourrait me boire, celui-là. Je vais mourir. Je suis mort. T'es mort où? Derrière la palissade. Ouais. Bien pour toi. Là où il y a le camion qui passait. Ouais bah j'arrive, là je suis occupé à autre chose. J'arrive en 2 secondes. Si j'arrive, faut déjà que je sors. Elle a vraiment une sale gueule quand elle est bien blessée, hein. Bah surtout qu'elle était déjà jolie de base, toi. Ouais, bah je te sens pas. Ah putain, puis ils viennent tous vers moi maintenant. Mais là, t'aurais moyen de faire un carton, hein, si tu te dépêches. Ouais, mais t'en as de bonne, toi. Tu crois que je fais quoi, moi? Que je joue au touriste? Ouais. Non, bon putain, le monde qui est autour de mon cadavre.
Là, là, il y en avait deux officiers qui se tirent, tu dois pas être bien loin. Là, d'accord. Tu vois? Ouais, bah moi je peux rien faire, tout ça, quand tout ça a été fou, toi. Non, non, c'est bon, il se casse. Ça va, les mecs, elle est morte, on peut partir! Bon, maintenant je veux faire ce que je voulais faire au départ. Tu fais avec moi, s'il te plaît? C'est-à-dire? Bah, ça. Si tu veux. Pour un gars. Ouais, bah, je pensais qu'il y en aurait plus qui viendraient, tu vois. Bon, bah, allons récupérer le cadavre. Alors, est-ce qu'ici, tac, 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 ça c'est bon, ça c'est bon. Ouais. Il faudrait que t'ailles chercher les trucs avec ton explosif man, là. C'est-à-dire ? Dans une des pièces, faut juste que je la retrouve, il y avait une quantité explosive pour lui. Alors, tu me suis avec ton gaillard ? Ouais, attends. Il arrive. Je reste là au milieu pour l'instant. Il arrive. Je suis le temps. Il est là. Alors. Oui, c'était celle-là. Je crois, hein, je suis pas sûr. Dans une des malles, il doit y avoir une quantité d'explosifs. Il y a de la vie aussi, si tu veux. Il y a de la vie aussi, que je vais prendre, des clopes et du pinard. Et puis, les explosifs. Oh, tiens, ça, je prends pour moi. Au boulot. Ah, les explosifs, ils sont là. Je te mets ça avec. Je vais prendre la vie. C'est fait. Sont où les explosifs? Juste l'autre côté de la... du comptoir. Ah. D'accord. Contre le mur. Comment t'as fait pour mettre tout ça là-dedans? Il y avait de la place. Pose des questions, moi. Oui, ben, il y en avait beaucoup de la place. Oh putain, il y a 10 grenades, je peux pas les prendre parce que j'ai 3 grenades sur moi. Bah, tu balances les 3 grenades à côté de toi et puis tu prends les 8. Hop. Oups. Ouais, j'aime comment tu débarrasses tes grenades, toi. Oui. Attends, on va voir tes grenades. Garde-en une. Pourquoi? T'as vu où je suis sur mon mur là? Non, pas du tout. Regarde un peu plus haut vers la palissade là où je suis. Où ça? Non mais je te vois pas hein. Ah, le là. Petit gaillard au milieu là, tu vois? Ouais. Regarde où je grimpe. Là? Ouais. Balance une grenade là-dedans que je suis redescendu. Là-dedans? Mais il faut que je sorte là. Bah oui. Si t'en as une encore, avant d'utiliser tes 10. Attends, je sors de la maison. Tu veux que j'en balance une là-dedans dès que t'es ressorti? Non, non, maintenant tu peux y aller. Ah bon? Non, non. Okay. Dans la petite, dans les 3 fenêtres. Ça va, j'avais calmé un peu ce qu'il y a dedans. Ah ouais. Bon, excuse-moi, je vais chercher mes grenades maintenant. Ça marche. Ce qu'il faut pas faire. Oui, t'as vu comment je me débarrasse de mes grenades, c'est pas mal, hein. C'est une façon de faire comme une autre, hein. Suffit de le faire péter. Pas forcément la meilleure, mais c'en est une. Il suffit de le faire péter, ça marche très bien. Oui. Ouais, bon, mon explosif man, il va rester dedans pour l'instant, puis je vais me servir d'un nade à moi, hein. J'écoute. Comme puissant. Parce que moi j'ai vu qu'ils allaient là en haut et que à l'intérieur de. Oh ouais. N'empêche, elle a un fusil dans le dos, ça devrait être suspect aux yeux de tout le monde ça. Mais non, c'est pas suspect là, un fusil dans le dos. Ah, c'est une petite moussemique hein. Oh, tu veux bien te regarder dans l'autre sens toi? Merci. Vas-y, montez tous. Je crois que c'est la première mission où il y a autant de vie que ça. Là. D'habitude, ouais, on en a jamais assez. Et puis là, on en a trop. Puis là, je sais plus quoi en faire. Là. Ok. On en a jamais assez. Ah, mais là, alors. Ah putain, ces fenêtres qui t'empêchent de regarder les cadavres. En scène. Oups, j'ai récupéré un deuxième fusil. Bon, c'est pas grave. À moi. Je sais pas pourquoi ils m'ont donné un fusil snipe si je peux pas utiliser hein. Mais tu dois pouvoir. Bien. Ouais, j'ai récupéré un truc bonus. Ok. Et des grenades pour mon explosif man. Et moi j'en ai quantité sur mes gaillards encore. De quoi? T'as quoi faire exploser toute la ville. À moi. Pourquoi y'a que lui qui peut se servir de grenades? C'est pas le truc le plus difficile au monde à se servir hein. Et bon, encore eux, y'a que lui qui peut s'en servir hein. Ah, tout de suite. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Il y aurait déjà assez de problèmes comme ça, sinon. Ah, oh, putain, il y a que du final dans cette ville. C'est déjà pas mal. Bon, j'ai tué tout le monde à l'intérieur du bâtiment
Tu sais, en haut, la tour de guet, là. Bien. Bien, bon, je continue mon chemin. Je veux juste faire... Hop. Ouais, peut-être, éventuellement. Alors, où c'est qu'il y a les gardes par ici? Oh, il n'a pas une chaîne, là. Oh, je sais pas, manger ta sale gueule, t'es où, toi? Il y en a pas un, là-haut. Une porte, hein, devant. Oh, merde. Est-ce que je peux t'avoir Oh, merde. Quoi? Raté. Oui. Viens-moi. Espèce de... Tu oses me tirer dans le fion, mais t'es même pas foutu de venir. Non, mais bon, ça va ou bien? Bon, si je grimpe cette échelle, est-ce que je peux t'avoir depuis là? Ouais, arrête de faire des bruits sexuels pendant que tu grimpes une échelle, s'il te plaît. Le mien, c'est pas vraiment ce bruit-là qu'il fait. Voilà. Et personne n'a rien entendu. T'es mort anonymement, mec. Alors, les entrepôts. D'accord, on va pas rentrer par ces portes-là. Ça, c'est pas un endroit où rentrer. Ah, tiens, si. C'est pas un endroit où on peut rentrer non plus. À moi. C'est pas le bon plan non plus. Mais bordel. Mais foutez-moi la paix, 5 secondes. Je... Bon, il va falloir qu'on vienne un peu l'extérieur. Hein, hein? Alors, je viens un peu l'extérieur parce qu'il y a trop de monde là. Ah, en fait, si j'ai une attaque de mêlée, je peux leur abattre une bouteille sur la gueule. Oui. Oui, il faut avoir assez de pinard, quoi, c'est tout. Effectivement. Très bien. Mais je vais lui abattre une bouteille sur la gueule. Merci. Non, non, mais. c'est le messager, il est jamais bien vu en général. Bon, abattre une bouteille sur la gueule, ça sera rien. Hein. Oui. Non, ça y tue pas. Oh, cool. Et il se pose des questions, le mec, là. Tu m'étonnes. Ok. T'es où, toi, à peu près, que je sache? Alors, sur ma carte, je te verrai. Y'a un point bleu qui est en train de faire un massacre quelque part? Oui, là, t'es repéré. Non. Tu l'es plus. tu l'es plus. Ils sont pas décidés, en fait. Là, je crois que je vais faire une grosse connerie si je le fais ça. Mais on va se marrer. Ouais. Vas-y, Ogide Ogida. J'ai besoin d'un coup de main là, ouais. Non. Oui, bah vas-y. Fais donc. Il y a un char qui s'approche. J'ai bousillé une patrouille, hein. Il y a un char qui... Quoi, un char? Ouais, oui. Il est où ce con là? Ah ouais. T'as pas trouvé plus gros? Ah, mais j'ai bousillé la patrouille, je suis content. Bon, je sauvegarde si jamais. Ah ouais. Là, je vais faire une connerie, je crois. Je vais essayer, je vais pas essayer de la faire, mais... Je vais aller planquer là-bas, hein, parce que le char, il va se poser des questions. Sinon, tu crois que le char, il peut me repérer? Je sais pas, franchement. Franchement, je sais pas s'il peut... Je pense qu'il devrait pouvoir, dans l'idée. Je suis en train de transporter des cadavres là, ça fait suspect. Un peu peut-être. Oh, putain. Il y en a pas autant qui sont venus que j'aurais espéré. N'empêche, le fusil c'est juste génial hein, pour tuer des mecs. Ah, le fusil tout court il est génial quand même, ça c'est clair. Bon, le char en a rien à foutre de moi. Hein. C'est très bien. Puis j'ai pas de mine pour le buter celui-là. Non, mais t'as des grenades. T'en as assez, je crois, non? Ça suffira pas. Tu vises le cul du char. Ah, il y en a encore un. Ah, il y en a encore un autre. Oh bah venez, venez. Plus j'en suis ici, plus je serai content après. À mon avis, on va certainement trouver de l'explosif à quelque part pour lui. Ouais, moi je suis en train de recharger mon fusil avec toute la troupe que j'ai tuée là. J'ai juste tué 8 gars, moi tout seul, hein, une femme. Je suis pas sexiste, mais quand même. Putain! Quoi? Enculé! Qu'est-ce qu'il y a? Il a flingué mon gaillard! Putain de ça! Putain, il va falloir que je m'occupe de lui très vite alors. Ah, là je peux rien faire pour toi, hein. Okay. Putain, mais y'en a combien des cadavres au même endroit, là? C'est chiant, ça. Par contre, c'est con qu'ils puissent pas tuer les mecs en un coup au flingue, hein. Bon, j'en demande peut-être beaucoup en se disant ça. Bon, toi, tu vas pas me piquer tous mes cadavres? C'est fait. Qui, moi? Non, lui. Il est en train de me planquer tous les cadavres que j'ai tués. Toi, planque-toi là-dedans, toi. Par
quand même falloir lui balancer une grenade à ce qu'on l'a. J'ai... Non, mais là, je compte. J'en suis au 16ème mec que je suis en train de débarrasser. Ouais, j'en ai tué un peu moins, mais bon, moi j'ai un char qui m'a un petit peu interrompu entre deux. Ouais, c'est fou, hein, comment le char peut interrompre, là, comme ça. Il est où ce con, maintenant? Il va repasser par chez moi, je pense. Non, mais je l'ai pas vu, là. Faudrait que je le retrouve, idéalement. Il était parti par là-bas, il me semble. Ah, là. Tu veux la route. Je lui fous. Non, justement pas. Pourquoi? Bah, il suit pas la route, ce con, là. Ah bon? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le prendre. Bien. Il y a de la chance que je l'ai pas l'explosif même, j'aurais déjà balancé une mine à la gueule. J'ai oublié qu'il y avait un char ici. Bon, bon, on va t'abattre une bouteille de pinard sur la gueule à toi, puis voir ce que je peux faire ensuite. Mais je peux même pas les attacher ni rien. Bah non, c'est une femme. T'as pas trop de la demander non plus. Oui, mais je peux leur tirer dessus au flingue. Oui, ça tout le monde peut faire. Ça marche très bien, une fois qu'ils sont assommés. C'est une technique de l'âge d'ailleurs, hein. Assommer le mec pour ensuite le... Là, je fais plus tard, oui, ça je le faisais. Ça sert à rien de les assommer si j'ai Bon, attends, je peux sauvegarder là? Attends. Vas-y. Ouais, parce que j'ai quand même fait beaucoup de bordel et puis j'aimerais pas perdre ça. Là, moi, c'est juste que je dois me méfier avec le char parce qu'il est dans ma région en plus. Bon, tu sais quoi, tu vas mourir vu que t'es tout seul ici, mon gars. Très bien. Il y a le char. Il y a un sniper surtout. Ah bah oui, ça aussi il y en a un, oui, ça c'est clair. Ah, c'est sûr qu'il y en aurait un, sinon c'est pas bon. C'est bon. J'ai réussi à m'échapper. Je sais pas où est ce sniper de mes deux. Il est tout en haut sur le... là où il nous a montré au début de la vidéo. Où ça? Oh putain. Ah, il est sur le porte-avions? Non. Quand même pas. Si si. Putain. Ah, il est recherché celui-là. Oh putain, je pourrais faire un petit carnage ici. Je sais pas par où tu vas passer par contre. Ça me fait un peu peur. Ah, il faudrait que je tue cette espèce d'ingénieur à la con là. Je m'avance. Ah, Jules. Ah, y'en a un qui m'a suivi. J'aurais besoin de tes talents d'explosif mal là. Ouais, bah attends, là je veux d'abord faire un carnage si tu permets. Ouais, vas-y, fais-toi plaisir. Bah je vais sauvegarder hein. Oh, c'est la carrière d'Ami Baba ici. Y'a que des explosifs partout. On va pouvoir s'occuper de ce char de merde. Voilà, personne n'a entendu parce que tout le monde était trop loin, c'est très bien. Bon, je sais pas où c'était été avec ton gaillard. Bon, faut que je vienne te chercher. Oui. Alors. C'est lui le sniper, il est là-haut. Faut que j'aille m'occuper de ce sniper. Ouais, comme tu le sens. Mais fais gaffe, il y a toute une troupe à côté. Hein. Oui, je sais, mais comment je pourrais faire pour m'occuper de lui? Moi, j'ai une solution. Une grenade. Voilà. Il nous faut ton explosif, man, maintenant. Je vais te chercher. Attends. Faut que je déplace ma nana, parce que... Okay. Elle est pas exactement en sécurité, là. Je vais la mettre dans le petit entrepôt que j'ai vu avant. Il est où cet entrepôt? Voilà. Vas-y. Tu vois où il est, mon gaillard? Non, pas du tout. Ouais, je l'ai mis à l'entrée de... des palissades. Ah là. Attends, j'arrive. Mais putain de caméra qui se remet automatiquement sur le mec. J'ai plein d'explosifs pour le char, pour lui. Tu me suis? Je marche, hein. Ouais. Parce que sinon, tu vas jamais arriver à me suivre avec celui-là. Okay. Toi, tu peux courir, mais... Ouais, bah attends, faut que je tourne la caméra. Y'a plus personne ici, t'es sûr? Certain. Bah oui, je suis déjà la troisième fois que je pars en courant, alors... Dans les entrepôts, je les ai pas encore vidés, mais si je t'emmène, il est vide. Moi je marche, l'autre doit courir à côté. Mais t'as vu à quelle vitesse tu marches aussi, espèce de stressé? Alors, y'a deux caisses grises, serre-toi. Prends les explosifs bleus. Les caisses grises. D'accord. Ouh. Mais bah attends, là j'ai plus de place, hein. C'est fait. Là, je suis plein. Ouais, il nous faut les explosifs bleus pour tuer le char. Hein. Oui, bah, il en faut combien? Deux ou trois? Une. Une? Une suffit. Ah, d'accord. Normalement. Bon, mais il est où le char maintenant? Alors, on va. Je vais te suivre avec l'autre parce que lui, il est trop faible.
sort pas encore, faut que je là-bas, j'ai pas encore été vidé. Faut que je vois si je peux aller vider par là. S'il y a quelque chose à vider. Tu veux que j'aille vider avec la nana? Ah, rentre, rentre. Bon, il voit où ce char? Alors, attention, il va te voir. Oh putain, t'es rentré au bon moment, toi. C'est déjà par là. Alors. Bon, je fais comment pour le tuer? Tu poses une mine là où il passe, peut-être qu'il repasse, puis tu viens le coller. Tu vois où il est là? Ouais, ouais. Là, c'est parfait, tu en poses une là en dessous. Il est passé. Hein? Ah, il est passé, c'est bon, je voulais. Je t'accompagne, il n'y a pas le garde, j'espère. Moi. Fais gaffe, il y a plein de soldats là-bas. Ouais, je pose juste une mine ici. Ouais, et tu rentres dans la maison? C'est mon rayon. Puis dès qu'il revient dans l'autre sens, bah tu sais ce qu'il te reste à faire. Pourquoi t'es sorti toi? Bah parce qu'il fallait que... Non, il y a mon gaillard qui est sorti de la maison, je sais pas pourquoi. Attends. Moi je sais pas quand c'est qu'il passe. Bah tu regardes en sortant d'une fenêtre. Oui, mais je peux pas activer l'explosif en sortant d'une fenêtre. Non, mais tu le réactives après. Il est passé où ce couillon? Bah il fait une longue ronde. Hein. Oh putain. T'es stressé? Non, j'espère pas. Hein. Non, ça va. Pour l'instant, je continue à vider les entrepôts. Dans les entrepôts, en général, ils ne cherchent pas trop. Je suis en train de suivre le char. Et oh, on arrête de me faire du mal, s'il vous plaît, d'accord? Ah, toi, t'as des clopes. Putain, le club. Putain, j'ai bientôt dit pire que les clopes, je sais pas quoi en fait. Putain, il voit loin le char quand même. Hein. Ah, il a une sacrée vision ce con-là, ça c'est sûr. Il est assez chiant pour ça. Il est assez. En plus, il est redoutable. Ah oui. Putain, mais dans chaque porte que je range, je me fais repérer. Putain, toi tu vas te faire plaisir à la grenade, j'ai l'impression, dans ce bâtiment là. Tant que tu t'en sors. Non, mais moi, tu sais, je suis plus discret, je préfère jouer avec la fille, sérieux. Ah la merde. Bon, il fait combien de fois un tour là? Oh, il arrive. Je sais pas quand, mais il arrive. Là, il s'est arrêté. Bah oui, il fait une pause en attendant, il a le droit. Ah, tout de suite. Pose-toi, c'est un char, bordel, c'est pas comme s'il avait marché. Oups. En effet. Oh, il va bouger ce con de char. Voilà. J'ai été plus rapide. Moi j'ai ma nana qui est cachée à l'intérieur d'un entrepôt. Au cas où. Il est où ce con de char? Il arrive. J'ai le temps encore. Nana, il arrive là. Là, il se dirige vers nous. Ah, je peux rester dehors si tu veux pour dire quand c'est que tu vas faire péter. Non, c'est bon, je sais où me placer pour qu'il me voie pas. Bon, alors. Fais gaffe parce qu'il arrive, hein. Ouais, je passe par derrière, t'inquiète pas. Ouais, il y a des kilomètres encore, ouais. Alors, ici. C'est mon rayon. Bon, il faut surtout pas que je le loupe. Ah. Ça va faire boum. Ta gueule. C'est pas, il va faire tout noir, c'est ça, faire boum. Ah, ça va être beau quand tu vas être dessus. Oh. Ouais. Voilà, un connard de moins. Il arrêtera de nous faire chier celui-là. Bon, maintenant. Bon, tu m'excuses, mais moi je vais prendre ma nana, hein. Excuse-moi, je sens que tu le mets juste à l'intérieur, ton gaillard. Oui. Au cas où. Comment je peux faire pour toucher dessus là-dedans? Parce que moi j'ai vu quelque chose tel. Là. Ah bah voilà où il était le sniper, en fait je pouvais le tuer depuis le début. Très bien. Mais bordel. Oui. Je vais m'énerver dans un moment dans ce bâtiment. Ouais, Okidi Okida. Comme tu dis. Déplacement en cours. Très bien. Oui. Je commence enfin à y voir un peu plus clair dans ce bâtiment. Ouais, bah moi j'ai tué un sniper, là je suis content. Pourquoi ils affrontent un gars avec un couteau, franchement? C'est dangereux quand même. Je vais le savoir depuis le temps. J'ai mis des entrepôts pour rien en fait. Il y a aucune caisse, rien.
Bon, d'accord. C'est bon à savoir. Ça fait toujours plaisir. Qui c'est qui me boit là, c'est jamais. Ça c'est vide, ça c'est vide. Ça c'est pas vide, mais c'est pas important. Et toujours cette équipe ? Mais je peux pas les tuer, il y a ce sniper en haut si je tire. Attends, je vais venir voir ce que je peux faire pour toi. Il est où ton sniper ? Pose problème. Là-bas en haut, d'accord. Ils l'ont bien placé, hein. Et toi, t'es où ? Je suis juste à droite. À droite du sniper, donc. Déplacement. Tu dois être par là, ouais. Donc en plus, c'est des officiers, donc je peux pas y aller. T'as ton explosif là, non ? Oui. Le grenade, c'est réglé, hein. Une grenade sur lui, puis une grenade sur les officiers là en bas, puis c'est réglé. Mais j'ai envie de le faire avec ta nana. Bien sûr, si tu cherches la complicité. Bon, attends. La complication, pas la complicité. Ouais, si tu veux, c'est la même chose. Oh, attends, je vais sauvegarder, puis je vais voir si ça passe, hein. Hop. Attends, je vais faire du bruit, puis je vais attirer vers moi les officiers. Non, ça passe pas. Ah là. Tu peux charger, s'il te plaît. Parce que moi, je peux pas. Tu peux juste te faire tuer, en fait. Ah là là. Mais à deux, on devrait croire y arriver. Le bâtiment, il est vide, là, à droite, ou pas ? Hein ? Le bâtiment, là, il est vide. Quel bâtiment ? Le gros bâtiment, là, qui est juste à côté de toi. Je crois, mais je suis pas sûr. Attends, faut que j'aille voir. Il me faut un peu de munitions de fusil, parce que je suis vraiment à sec. Je vais jeter un oeil. Non, mais attends, j'y vais ! Ouais, j'ai pas besoin de rentrer, hein. Faut qu'elle comme ça aussi. Non, non, il est pas vide. Je vais venir t'aider. J'ai besoin de munitions de fusil, parce que là, je suis un peu à sec. Qui c'est qui me voit là-bas, au fond ? Tu me distrais celui-là, puis moi, je m'occupe du reste. Ok. Que je puisse au moins rentrer dans une pièce sans me faire tuer. Celui-là, tu dis ? Je crois, moi, je vois pas très bien là-dedans. Hein. Attends. Mais allez, viens par ici, enfoiré ! Yeah ! Allez, voilà, je lui parle. Attends, il est où le deuxième, maintenant ? Il est à droite. Je dis pas qu'il risque pas d'avoir le coup de feu, là. Eh bien. Bon, on va essayer. Voilà, venez voir ici. Voilà, continue à causer ta bonne femme, toi. T'occupe pas de moi. Continue à causer, regarde comme elle est belle. Regarde comme elle est belle. Que là. Tu auras pas ma gonzesse, ça va ou bien. Tu laisses l'émission de fusil, s'il te plaît. Ouais, c'est bon, je regarde juste s'il a des clopes ou un truc du genre. Ça, je suis vraiment à sec. Enfin, il me reste juste 4 balles, puis vu les officiers qu'il y a là-bas, j'en ai pas assez. Oh, attends. Tu crois que si je tire depuis là, ils m'entendent ? Justement, je vais venir donner un coup de main, on va essayer de les attirer un peu dans un piège. Déplacement. Moi, je dis qu'une grenade, ça réglerait vraiment le problème des officiers. Oui, mais attends, là, j'ai une idée. Je vais sauvegarder, ok ? Si tu veux. Fais pas trop de conneries. Je vais faire une connerie, là, une immense. Putain, mais cette connasse. Mais t'es où, toi ? D'accord, t'es ici. Oui, ils ont vachement l'air intéressés, dis donc. Oh, mais quel bande d'enfoirés ! J'avais un coin parfait, là ! Là, il y a le sniper, hein. Là, c'est moi qui vais en faire une. Tu veux te faire repérer ? Eh merde, il est de l'autre côté. Eh bah, t'es mort, hein. Mais on peut le refaire d'une autre manière. Charge la partie pour que tu te fasses pas tuer autant. Ils sont morts, c'est bon ? Non, mais je voulais faire comme ça. Charge la partie et refais ton truc. Problème réglé ? Ok, attends, maintenant je vais me faire le sniper parce que là. Il faut juste laisser le gros bourrin travailler un peu. Moi je reste tranquille parce que moi je suis repérant par ce qu'on a. Ouais, ouais. Faut voir sa vision. Est-ce qu'il me voit là ? Non, il peut pas te voir. Sinon tu verras un trait rouge sur toi aussi. Bon, mon explosif man, il est où ? Ah, putain, ça fait 10 minutes que j'ai dit qu'il voulait bien péter la gueule. Est-ce que je peux passer par là sans risque ? Est-ce qu'il y a encore du monde ? Il y a toujours lieu d'un risque, il y a toujours, hein. Le risque zéro n'existe pas. Mais attends, voir. Quoi ? Attends. Ah non, on peut pas. Je suis parti. Bon, j'essaie de courir jusque là, on verra bien. Ouh, fais gaffe. Laisse-le. Il y a que lui qui peut faire ça. Qui veut faire quoi ? Je suis parti. Non mais mon explosif man, il arrive, hein. Ah ouais, bah vas-y, fais-toi plaisir. En plus. Attends. Peut-être pas. Mais putain de touche Windows de merde! Mais t'arrêtes parce que ça va à chaque fois planter le machin ton truc! Mais attends. Ah, je voulais appuyer sur Alt pour tourner à caméra. Je te joue. Voilà! Au revoir! Ce fut un plaisir. Il est mort, c'est bon? Ouais. Bon, moi je vais planquer mon explosif man, hein. Ok. Je veux bien qu'il faut.
Faut que j'aille là-bas en haut, mais comment? Tu veux aller faire quoi, toi? Bah, il faut que je fasse descendre l'échelle pour qu'on puisse monter là-haut. Mais ce con-là, il veut pas grimper, je sais plus comment on fait. De quoi? Il faut que je grimpe sur la grue. Voilà. Et après? Après, c'est la question. Oui. Je suis en haut, moi aussi. Oui, mais il y a quoi qui peut grimper? Non, mais vrai, c'est qu'il veut pas grimper, ça brutit. Il veut pas aller. Ah putain, mais ils arrivent pas, ils précisent pas comment on fait, bien sûr, je parie. Ah, bien quand tous les trucs à faire exploser en bas, tu peux t'amuser avec ton explosif man si tu veux déjà. De quoi? Il y a plein de. Tu regardes t'es les... l'ordre de mission? Ouais. Il y a plein de trucs à faire péter. Ok. Alors, détruisez les grandes citernes. Oh, bon, on est tout proche en plus. Je crois. C'est où ça? Attends. Ah, voilà. Elles sont où vos grandes citernes? Ah, c'est ça. Puis je dois les faire péter comment, l'explosif bleu? Non, garde plutôt les bleus pour les deux bâtiments que tu dois faire péter en même temps. Bon, bah, c'est pas du rouge. Voilà. Je regarde juste qu'il n'y a pas personne dans les environs, ce serait bien. Je me tire. Ça va péter. Je crois que c'était ça que je devais faire péter, hein, mais. J'ai pris l'échelle à moi avec. Oui. Ouais, c'est ça, à mon avis. Ah bah oui. C'était ça, puis après il y a deux trucs à faire péter encore, je crois, non? Ouais, je vais regarder, attends. Je vais faire péter sinon. Je faisais les petites citernes de carburant, bon, c'est tout au bout du chemin. Heureusement, j'ai tout nettoyé là-bas, y'a plus rien. Ah, c'est les petites, ça, pour vous? Excusez-moi, mais elles sont plus grandes, hein. Quoi, non? Si? Ça fait quoi si je reste à côté? Même bon. Si tu veux tout savoir. Ensuite, y'a quoi après les petites? Infiltrez-vous à bord du porte-avions. T'as pas les entrepôts à faire péter aussi? Non. Détruisez les petites citernes, ok? Ouais, c'est fait. Ça va se faire. Voilà. Ok, on a rien oublié, on dirait. Non. Y'a plus qu'à s'introduire dans le porte-avions. Détruisez les petites citernes, t'as pas fini, hein? Si, si. Ah, le machin, il est pas encore, y'a pas un vu encore. Si. Ah, moi, chez moi, non. Oui, après, il y a infiltrez-vous à bord du porte-avions, c'est ça que tu regardes, toi? Non, non. Bah, regardez si tu me crois pas, putain. Ah, non. Maintenant, c'est bon. Ah. Avant, il y était pas. T'as failli me faire me lever, hein. Oh, pauvre chou, ça leur a fait du mal, c'est sûr. Oui. Ah là là. Bah, vous avez juste à monter à l'échelle, moi j'ai tout préparé pour vous. Oh, c'est trop gentil, ça. Par contre, ta mise, faut la faire descendre. Ah oui, tiens. Elle est juste pas au bon endroit, elle. Bien. Et on aura fini une mission en 40 minutes environ. À moi. Oh, t'as vu où je suis rentré? T'as pas regardé? Non, mais oui, oui, j'ai vu. Je pense qu'on va se cacher là-dedans, puis ça me paraît pas trop mal. Et puis après, on va faire quoi? Bah, c'est la fin de la mission. Ah, c'est tout? Normalement, oui. C'était déjà pas mal, non? Voilà. Ouh, y'a ma fille qui était en train de. Je sais pas quoi faire! Et nous voilà repartis. Ouais, sans les Allemands à bord cette fois. Ah si, il doit y avoir les Allemands pour faire piloter ce machin, c'est qui le pilote? C'est clair, mais bon, ils ont pas vu qu'on avait fait péter toutes les citernes de carburant, tout ça? Bon, c'est pas très important. Mm-hmm. Et les gars, on est dessus? On est pas dessus. Jolie la cinématique. Je sais pas, je me rappelais pas de celle-là. Les gars, on est sur le porte-avion si jamais. Non, on doit plus y être à mon avis. Si, si. C'est bon, c'est où l'autre? Putain, c'est des tarés les pilotes là, hein. Bon! Bah, du coup, hein, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas, j'aime, commenter, Facebook, tous les liens utiles sont dans la description de la vidéo. Voilà. Sur ce, moi je crois que je vous ai tout dit, donc ciao les gens, c'est Nasband et Tiger. Allez à tous! Pour vous servir, allez, bye! Vous connaissez, hein, qu'il raconte, Isaac, j'ai dit pas de bouger. Tu restes tranquille. Gentil chien. Tu fais pas attention. Hein. Gentil chien, tu ne mords pas, tu attaques pas, tu fais comme on t'a appris. Ok, Isaac. J'emmène au confort, mais qu'il fasse un geste suspect, un seul. Et je le dézingue. Mais dézingue-le tout de suite parce que j'ai pas du tout confiance en lui. J'ai confiance en toi, mais en lui, pas du tout.
N'empêche, là, on est passé d'un vaisseau spatial à une putain de station spatiale. Tu parles d'une upgrade. Mais le jeu veut pas tourner à plus de 30 FPS, c'est bizarre quand même. Bon, j'ai du 30 FPS super constant, hein, mais c'est quand même bizarre, je sais pas pourquoi.